Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée aux phrases et blues. Alors si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est là-haut, de façon à ce que vous puissiez voir la cover complète de ce solo. De toute façon, au début de la vidéo, j'ai mis vraiment les degrés sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Alors n'hésitez pas également à aller sur mon site pour télécharger la partition, la tablature sur laquelle nous allons travailler. Donc, une double page, la grille 5 et la grille 6. Je sais que certains d'entre vous m'envoyaient des mails, vous êtes impatients de voir cette vidéo-là. Donc ça y est, c'est parti, vous allez pouvoir commencer à travailler cette fin. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ma tablature, c'est un tort parce que vous aurez du mal à suivre. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit don via PayPal en passant par mon site, ça me fait toujours très plaisir. Je rappelle également pour ceux qui habitent en banlieue parisienne que je donne des cours de guitare chez moi à Houille dans le 78. Et si vous habitez en province, vous pouvez également me contacter par Skype. Depuis le confinement, j'ai commencé à faire ça et ça marche vraiment super bien. Bien, je ne m'étends pas plus, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors commençons avec la première phrase de cette cinquième grille. Donc là on est en La mineur pentasixte, donc rapportez-vous à ma première vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Allez, je vous la fais à vitesse normale. Je détaille un petit peu ça, donc là vous avez vu la tablature, je suis à la case 14. Je vais me bender un demi-ton, un pull-off. Alors comme d'habitude toujours, faites attention à la mise en place, je commence sur un contretemps. Donc c'est le relâchement du bend qui va tomber sur le deuxième temps de la mesure. D'accord. Et là j'arrive sur le quinte de la corde de si sur le troisième temps. Ensuite ici j'enchaîne en triolet, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, d'accord. Je refais ça depuis le début de la mesure. Donc là je ralentis exprès. Hein. La petite saillie de pull-off, donc je fais un petit passage chromatique pour faire les 14, pull-off en 13, pull-off en 12. Là, attention, le slide, il faut faire un slide comme c'est une appoggiature. Je rappelle, l'appoggiature, c'est un slide, une note qui compte pas dans le temps. Donc on va tout de suite se décaler avec l'annulaire de la case 14 à la case 12 sur la corde de ré. D'accord, de façon à tomber en début de mesure sur le temps ici, sur la case 12 de la corde de ré. Donc toujours en triolet. Et là, ce qu'on va faire, vous avez vu, là, je ne vais pas rattaquer ma case 10 de la corde de ré avec l'index, parce que pour pouvoir faire la descente, je vais me décaler d'une case de façon à prendre ma case, faire mon slide de 10 à 11 avec le majeur. Donc je fais la phrase depuis le début un petit peu plus lentement. D'accord. Donc là, vous avez vu, là, comme je vous disais, j'ai décalé, je pars avec le majeur de la case 10 et je vais slider en 11. Donc décalage. Ensuite, je vais venir descendre en 11. Alors, petit passage à nouveau en 6, je fais ça avec deux hybrid picking parce que bon, je trouve ça sympa. D'accord. Je descends d'une case. Vous voyez que je descends chromatiquement donc de la case 11, 10, 9. J'adore ce style d'effet. Pour venir ensuite, case 9, case 7. Là, du coup, vous voyez que je reviens avec l'annulaire ici pour être en 7 cordes de ré, 7 cordes de sol. Ensuite, pour me décaler jusqu'à 5. Je refais ce passage-là. D'accord. Depuis le départ. Petite phrase sympa, comme je disais, en La mineur pentasixte. Le passage suivant, je suis à la fin de la mesure 3. Mon fidèle enchaînement bluesy que j'aime bien faire. Là, je suis en 8, pull-off en 7, pull-off en 5, tout ça sur la corde de sol. En double croche, 1, 2, 3, 4, 1 pour le débit des notes. Là, j'arrive au début de la mesure 4 sur la corde sol et cassette. J'enchaîne en triolet. 1, 2, 3, avec un léger bend d'après ici en sol. Case 5. Je reprends le même passage à la fin de la mesure 4 en commençant avec un avec le petit doigt. Là j'arrive sur le au niveau de la grille sur le ré 7ème. Petit passage à nouveau en La mineur pentasixte à 6. La 6 en fait on l'a ici sur la case 9 de la corde de ré. D'accord. Là, j'arrive sur la troisième ligne, la mesure 6. Petit passage en double croche. Donc, toute phrasée là, attention à la mise en place, effectivement. Donc, le même passage que j'ai fait ici
exactement pareil, sauf que là je le fais sur la l'accord de là, d'accord. Ok, donc 4 notes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. J'arrive sur le slide ici en 4 au début de la mesure 7. Pour ce passage-là, n'hésitez pas un petit peu à travailler vos allers-retours, vous voyez, on va se mettre dans case 3 avec l'index, case 7, petit doigt. Même chose sur l'accord de Ré, donc là on arrive sur une pentatonique de La majeur. Vous pouvez travailler un petit peu cet exercice d'aller-retour. Ouais, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Parce que la suite, ça fera. Alors, je fais depuis le départ. Donc là, comment ça se passe? Un coup vers le haut ici, un coup en bas, un coup en haut. Donc tout ça, je suis en double croche. J'arrive ici, case 5 sur l'accord de sol. Avec le majeur, je slide. Du coup, je peux avoir mon index sur la case 5 de la corde ici, case 7, et je termine ici. Petite montée sympathique, j'arrive ici au triolet, 1, 2, 3, 1, d'accord. À nouveau, le passage en double croche avec ici le bend, le relâche bend, le pull-off en 5, d'accord. Bon, ensuite, terminé avec 7, 5, 7, 5, et je slide dans 4. Je refais tout ce passage-là doucement. Encore une fois. Ok. Le passage suivant, on arrive sur la grille en mi 7e. Je commence en mi majeur pentatonique. Petit passage que j'aime bien aussi faire avec un hybride main droite. Au niveau du son, je trouve ça sympa. D'accord. Je commence par slider, j'arrive jusqu'à l'accord de Ré avec la 6. Petit doigt, j'arrive en 2 sur l'accord de Sol. D'accord. Ensuite, je me décale. Là, j'arrive en La mineur pentatonique. Petit bend d'un demi-ton en 10. Pour ensuite faire case 8, case 10. 8, 10, 9. Et je termine en 10 sur la mesure, au début de la mesure 11. Donc je refais tout ce passage-là. Voilà. On arrive à nouveau sur le mi-septième. Pour un passage que j'ai piqué clairement et simplement à Robin Ford, hein, la mineur pentatonique, pour une phrase que j'adore. Donc je vous ai déjà fait la démonstration dans mes petits plans sympas il y a quelques années d'ailleurs. Je démarre en la mineur pentatonique avec le bend, donc 4 fois de suite, 1, 2, 3, 4, d'accord. Quand vous faites ce plan-là, barrez bien avec l'index ici sur vos deux cordes si et mi, et vous pouvez faire le bend avec le majeur et l'annulaire, un bend de 1 ton. Et là, quand on fait le slide de 8 à 10, on arrive sur au début de la 6e grille. D'accord, j'arrive à la mesure 14. La mineur pentatonique, puisqu'on va être en mineur avec cette position et en majeur avec cette position là, puisque normalement c'est la position qu'on joue ici, la case 15, mais qu'on décale comme je vous ai déjà expliqué 2-3 cases. Donc on va être sur ce début de phrase à partir du bend dans 15 mineur, et on arrive ensuite, lorsque j'arrive ici, lorsque je fais le slide, on arrive majeur, le slide de 14. D'accord, là je suis à la mesure 15. Ok. Petit bend en 12. Pardon. Ensuite on vient décaler. On se retrouve à nouveau en La mineur penta. Pull-off de 10 à 8. On va tout de suite slider rapidement avec la mineur. Jusqu'à la case 7 de la corde de sol. Pull-off. On peut terminer avec une petite série comme ça de hammer. Je reprends un petit peu toute cette phrase à vitesse normale. Je la retiens un petit peu. Allez, le bend, on relâche. La phrase d'après, la mineur blues. Petite phrase assez facile à faire. Donc là, on est clairement en mineur. Mineur pentatonique. Donc là, j'amorce, je suis sur un contretemps.
J'arrive sur le ton ici en 8. Ok. Petit bend à demi-ton pour rattraper ici la gamme blues. Triolet, 1, 2, 3, 1. Je termine avec un petit slide de la case 10. L'enchaînement d'après. Je commence en triolet, 1, 1, 2, 3, jusqu'au 12 ici. Pull off, je recommence une fois. D'accord, encore une fois. Alors, pas forcément évident ici, pensez à bien, lorsque là je suis au début de la mesure à 19, bien plaquer l'annulaire ici, sur la corde de mi aigu. Ensuite, arrondissez-le à nouveau pour pouvoir assurer le bend. Voilà. Voilà, pour assurer donc ce passage-là. Ensuite, je relâche le bend, pull off. J'arrive à la fin de la mesure 19 avec un petit bend de un ton sur la case 12 de la corde ici. La phrase suivante en la mineur pentatonique qui fait un petit peu la parabelle au triolet à nouveau. D'accord. Petite montée chromatique 8, 9, 10. Petite série de pull-off entre la case 10 et la case 9 sur la corde du milieu. Je termine ça avec un bend de 10. Je relâche ensuite pour faire un pull-off en 8. D'accord, 10 sur la corde de si, 8. Je vais slider rapidement, même principe des appoggiatons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jusqu'en 7, pull-off en 5. Encore une fois cette phrase-là, doucement. Cette phrase rapide que je fais à la fin. Alors, au niveau mise en place, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, hein, je pense que ça se remarque. J'ai relevé précisément ce que j'ai écrit sur la tablature, mais le but du jeu, c'est de faire une petite descente assez rapide, on va dire. Je commence par mon petit plan blues que vous commencez à connaître maintenant, d'accord ? Ok. Ensuite, hammer, 5, 6, 5, 5. Donc, travaillez déjà ce petit début de phrase. Je ralentis. Ensuite, je vous détaille un petit peu ce passage-là. Donc là, j'arrive à la mesure 23. Un coup en bas de médiator et montement. Je peux vous parler aussi un petit peu des attaques que je place. Casse 5. Un coup en bas, un coup en haut, pull off. Le bend. Ok. Hammer, pull off. 7, 5, pull off. Je fais pareil. 5, 7, 5. Je vais ensuite slider pour attraper la première position, celle-ci. Je refais cette longue phrase rapide. Je la retiens à nouveau un petit peu. D'accord. Je slide. 5, 5. Et je termine ça avec un slide de 3 et 4. Encore une dernière fois doucement. On arrive à la fin. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez vraiment plaisir à travailler donc ce solo. J'espère que ça vous apportera autant que moi ça a pu m'apporter de travailler tous ces plans. Donc, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine et bossez bien. Bye bye.